Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Quand tu m'as demandé ma main, je pensais pas que c'était pour y mettre des menottes. Ta gueule! Et profite, c'est le plus beau jour de ta vie. Garçon. Ah ben c'est ça, mais vas-y, va déblatérer sur mon compte. Et puis profites-en pour lui dire que cette année, je coucherai plus avec elle. Au drôle. Ah! C'est une résolution. Et en début d'année, on prend de bonnes résolutions. Non. J'en peux plus de bouffer du riz complet du soja nature. J'en peux plus de dormir sur une planche avec une racine de ginseng coincée entre les fesses. Moi, je veux aller au ciné. Bon, dis donc, t'as vu les deux super nanas asiatiques? Maquée nana asiatique. C'était des travelons thaïlandais. Cool. Romance. Ton gros lapin est en feu! Viens éteindre l'incendie! Vite! Ah, tu l'entends? T'inquiète, j'en occupe! Et puis pour le jogging, on verra ça plus tard, hein? Plus tard? Ouais. Pas de soucis! D'abord, l'incendie! Au fait, ce ne sont pas tes enfants, mais ceux du pharmacien. Tu me le feras, moi, ce salope. Signé Bernard. NF, la norme française. Le label étalon français. Il est convertible. T'es resté longtemps avec elle déjà? Ah, ça aurait fait 2 ans. Ah ouais? Non, 22 mois. T'as flingué mon pull en cachemire? Oui, 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 oui. Oh là là, mon Dieu, où tu l'as mis? Je veux le voir, vite, vite. Il est là. Ah! Et cette boîte de préservatifs avec... Pour Bernard, signé Nathalie, les cuisses chaudes. C'est pas une preuve, ça? Un point partout. Maître Galichet, oui. Je vous passe, Maître Ponchard. Ce matin encore, à l'église, pour la 3e fois, il m'a répété... Méliane, tu m'étouffes. Sors de mon église et va chercher l'homme de ta vie. Et ne reviens que lorsque tu l'auras trouvé. C'est promis, vous aurez ma bénédiction. Bon, mais sauf qu'en fait, il ne faut pas leur offrir des chrysanthèmes. Et même si elles sont en solde, hein. Dis-moi, qui t'a raconté ça? Qui? Non, non, non. Je vais te gifler, Jennifer. Tiens, je te gifle. Oh! Gianni m'a tout révélé pour texte, hein. C'était Brent. Et Lindsay n'était pour rien, puisque lorsqu'il a vendu sa holding, Winston ne connaissait pas Rhonda. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Nique! Non, Randy! Moi, c'est Jack. Je te rends compte, c'est quand j'arrive. Tout le monde me regarde. Mais enfin, Pierre-Antoine, tu n'as pas à avoir honte de ton métier. Tu fais quand même pas de la politique. Ah non, mais attends, si tu cherches des mecs, cherche ailleurs que dans mes poubelles. Alors là, tu suis pur. Non, mais t'as pas honte? Non, mais dis donc, puisque tu vas les jeter et que tu les remets sur le marché, il n'y a pas de raison que j'en profite pas. Non, mais passez après moi. Mais c'est dégoûtant. Et quand tu m'as vendu ta voiture, t'as pas trouvé ça dégoûtant, hein?
je vous dis, toi, tu dois être un chocolat. Parce que tout me fait fondre. Et alors, m'a répondu, le chocolat, ça constipe, et toi, tout me fait chier.